Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. Au Bangladesh, arrivée d'une aide humanitaire d'urgence sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au profit des réfugiés de la minorité musulmane de Birmanie, les Rohingyas, qui sont désormais plus de 400 000 à avoir traversé la frontière du Bangladesh. À Moscou, focus sur le bilan de la participation marocaine au salon international World Food de la capitale russe. Une quatrième participation qui a séduit davantage le marché de ce pays, dont le Maroc est le premier fournisseur pour de nombreux produits agricoles et agroalimentaires. Et puis, nous irons à la rencontre de jeunes chercheurs marocains reconnus et primés à l'international pour la qualité de leurs recherches et inventions dans plusieurs domaines. Mais avant le développement de ces titres, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président du Mexique, Enrique Peña Nieto, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Autre message royal de félicitations au gouverneur général de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Robert Dadé, également à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le flux des musulmans des Rohingyas vers le Bangladesh s'amplifie. 100 000 réfugiés en 2 semaines selon l'ONU. Le Maroc prend part à l'élan de solidarité avec cette minorité victime de répression birmane. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une aide d'urgence est arrivée au Bangladesh afin d'aider ce pays à faire face à l'afflux massif de réfugiés. Et cette aide a été acheminée par voie aérienne par les forces armées royales. Mohamed Idlishkar. L'aéroport international Shah Amanat de la ville de Chittagong, le deuxième plus grand aéroport du Bangladesh, où étaient arrivées avant-hier les aides humanitaires d'urgence, acheminées sur très hautes instructions royales, aides humanitaires destinées à la minorité musulmane des Rohingyas ayant fui Myanmar. I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to the King of Morocco. J'aimerais d'abord exprimer notre gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a donné ses hautes instructions pour l'envoi de ces aides humanitaires au profit des Rohingyas ayant fui au Bangladesh et dont les conditions de vie sont très difficiles. Je crois que ces aides vont nous permettre de subvenir aux besoins essentiels de ces réfugiés. Ils sont sans abri, en souffrance, ils ont besoin de produits alimentaires, de médicaments et ils manquent de tout. L'aide envoyée par le Royaume du Maroc est composée de tentes, de couvertures, de denrées alimentaires de base et de médicaments de première nécessité. Son acheminement a été assuré par voie aérienne par les forces armées royales. Des produits pour permettre l'hébergement de ces populations, à savoir des tentes, des couvertures, ainsi que des produits alimentaires et des médicaments. Ce don royal a été acheminé par un avion spécial des forces royales Air et c'est un don royal qui représente au total 14 tonnes de produits. Cette nouvelle action humanitaire vise à soutenir les efforts du Bangladesh pour faire face à l'afflux massif de réfugiés issus de la minorité musulmane des Rohingyas en provenance de Myanmar. Et ce drame de la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie préoccupe de plus en plus la communauté internationale. Ils sont en effet plus de 400 000 réfugiés à avoir traversé la frontière du Bangladesh. La première ministre de ce pays s'est envolée ce samedi pour l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour appeler à la solidarité internationale face à cet afflux. En 3 semaines, le sud du Bangladesh s'est transformé en un des plus grands camps de réfugiés du monde, entraînant une dégradation de la situation humanitaire. L'aide peine à se structurer et les besoins sont sans fin, notamment pour les enfants, qui constituent 60% des réfugiés. Loin de la région, un premier convoi routier d'aide humanitaire est entré à Derzour, où il viendra en aide à quelques 15 000 familles syriennes. En 3 ans, c'est le premier convoi terrestre de l'ONU à l'adresse de cette ville située dans l'est de la Syrie. Depuis 2014, environ 93 000 personnes sont assiégées dans cette localité. Avec d'autres agences onusiennes, le HCR plaide pour un accès humanitaire sûr, sans entrave et durable à toutes les personnes dans le besoin, en particulier à plus de 4,5 millions de Syriens pris au piège dans des zones assiégées.
Au Vietnam, 80 000 personnes évacuées en raison du typhon Doxury. Le pays a émis un avertissement de catégorie 4 sur une échelle de 5 pour ce cyclone tropical très violent qui pourrait être le plus puissant de ces 10 dernières années. Écoles fermées, vols annulés, bateaux interdits de sortie. Les autorités ont balisé le terrain pour assurer la sécurité des populations. Dans la seule province de Athènes, 47 000 personnes ont déjà quitté leur maison et d'autres évacuations sont attendues. Mission accomplie du Maroc au salon international World Food de Moscou. Le Royaume y a pris part pour la 4e année consécutive avec l'objectif de promouvoir les filières de l'agriculture, l'alimentation et l'halieutique. Le Royaume est établi à la place de premier fournisseur du marché russe pour de nombreux produits agricoles et agroalimentaires. Le bilan de la participation marocaine à cet événement dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Moscou, Soumaya Belayachi et Abdelali Gnouni sur un récit de Mohamed Aïtechka. Le marché russe constitue désormais un grand débouché pour les exportations des produits agricoles et halieutiques marocains. Pour la seule année 2016, le Royaume a pu exporter vers la Russie environ 340 000 tonnes de produits agricoles. Et au World Food de Moscou, l'objectif était de confirmer, voire de renforcer davantage cette présence en force des agrumes et légumes du Maroc sur le marché russe. Nous avons rencontré de nouveaux importateurs et nous avons noué de nouvelles relations, notamment avec des Russes, avec lesquels nous avons pu signer des contrats. Nous avons conclu des affaires avec des importateurs de fruits et légumes de Russie. Le pavillon marocain reflète une offre de qualité, diversifiée pour de nombreuses variantes de clémentines, légumes, fruits et fruits rouges. Toujours, le Maroc se diffère des autres pays par sa qualité. Et nous apprécions beaucoup, nous et moi, comme Russes, apprécions beaucoup le goût. Parce qu'il y a la production avec une très bonne qualité, mais sans goût. Chez vous, au Maroc, c'est toujours et le goût et la qualité. Au niveau de qualité, ils sont vraiment très bien. Là, dernièrement, c'était surtout l'orange. Justement, on commençait à discuter du citron, de la clémentine, et de voir un petit peu ce qui va se faire. Mais ça s'annonce bien, donc non, il devrait y avoir une belle campagne, Inch'Allah. Le pavillon marocain s'étendait sur une superficie de plus de 400 mètres carrés où étaient exposés des produits aussi diversifiés que les agrumes, les primeurs, les légumes frais, les produits de terroir et de la mer ou encore l'huile d'olive et l'huile d'argan. La police au plus près des citoyens, c'est le pari gagné à la Foire internationale de Casablanca qui a abrité pendant 3 jours la première édition des journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le public y a afflué en nombre. L'objectif de cette édition était de faire connaître les différents services de la DGSN au grand public et les prestations fournies aux citoyens. Ces 3 jours, c'est une belle réussite et tout un programme sous le signe de l'engagement, de la loyauté et de la proximité. La DGSN a procédé en 2015 à la création d'unités mobiles de la police de secours dans les préfectures de police de Rabat et de Marrakech et au niveau du district préfectoral de Salé dans l'attente d'être généralisée à moyen terme. Ces unités de sécurité qui sont équipées des moyens de transport et d'intervention sur le terrain visent en effet à consolider la présence de la police sur la voie publique, à répondre avec plus d'efficacité et de rapidité aux appels des citoyens sur la ligne 19 qui ont atteint au cours de cette année plus d'un million d'appels. La Fondation Mohamed V pour la solidarité lance son nouveau programme médical de suivi et de prise en charge à travers une vaste opération interventionnelle de proximité à Azilal, un programme qui vient compléter la chaîne médicale solidaire des prestations de dépistage et de soins multidisciplinaires avec comme cible les populations défavorisées de la région. Écoutez ces propos de Youssef Nabouli, chef de projet à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Dans le cadre de ces interventions médico-humanitaires, la Fondation Mohamed V pour la solidarité lance un nouveau programme qui consiste en le suivi et la prise en charge médicale interventionnelle des populations démunies dans le monde rural et les zones montagneuses de différentes régions du Royaume. Cette action organisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité connaît la participation
de 16 médecins spécialistes, chirurgiens et anesthésistes, en plus du staff médical de l'hôpital provincial d'Azilal. C'est tout juste hier que l'opération Marhaba 2017 a pris fin. Une opération qui s'est déroulée partout dans de bonnes conditions et notamment au port Anjemed, à l'instar des années précédentes. Le délai d'attente au sein du port n'a pas dépassé les 2 heures pour l'estampillage des passeports, le contrôle douanier et l'embarquement des passagers à bord des navires. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a fourni au niveau de ce port plus de 30 000 services sociaux et 6 000 autres prestations médicales au profit des Marocains du monde. Nous en saurons plus avec Hassan Rab Khali, directeur du port Anjemed passagers. Nous vivons le dernier jour de la campagne Marhaba 2017 qui démarre, comme vous le savez, le 5 juin et se termine le 15 septembre. Donc cette année, les résultats sont très positifs, grâce bien entendu à l'effort conjoint de tous les participants à la réussite de cette campagne et à leur tête la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui se charge de la coordination entre les différents services qui sont en charge des missions de sécurité et de contrôle au niveau des postes frontaliers. Près de 91% des passagers ont passé moins d'1h30 au niveau du port Anjemed avant d'embarquer sur les navires à destination de l'Europe. Et 96% des passagers ont passé moins de 2 heures, donc pour les mêmes formalités. Par rapport au contrôle de police et de douane, la totalité des passagers a pu effectuer ces formalités en moins d'1 heure. Pour l'entrée au Maroc, pendant la première phase de cette campagne, donc les temps de formalité ont été inférieurs à 30 minutes, sachant que l'estampillage des passeports se fait à bord des navires. Nous avons atteint à ce jour le total d'1 600 000 passagers, qui est en croissance de 2% par rapport à la même période de l'année dernière, et environ 360 000 véhicules, qui est le même chiffre qui a été réalisé l'année dernière. Ils ont la fibre scientifique et novatrice. De jeunes chercheurs marocains en sciences de l'ingénierie voient leurs travaux récompensés à l'international. Dans leur laboratoire Smart, ils ont réussi à mettre au point des inventions dans des domaines divers, de l'informatique aux énergies renouvelables, en passant par les nouvelles technologies de l'information. C'est un sujet de Zakaria Mokembila avec la stagiaire Khadija Mouri. Le Smarty Lab, un laboratoire de recherche en ingénierie et innovation. Ici, de jeunes chercheurs poursuivent leurs activités dans des disciplines technologiques de pointe, informatique, électronique, énergie renouvelable, entre autres. Parmi les réalisations de ce laboratoire, un dispositif pour la protection du corps humain contre les radiations électromagnétiques. Un autre projet porte sur une application innovante de gestion de parking. Nous, on s'est occupé de la partie logicielle, transmission de données à partir de la Sinstena jusqu'au serveur, le traitement, la visualisation, etc., pour avoir un logiciel sur ordinateur et sur mobile qui permet de guider l'utilisateur final, le conducteur, jusqu'au parking et lui permettre de voir les parkings qui sont où il y a des places disponibles. Il y a l'invention de ce qu'on appelle IFME, qui est un matériau qui permet d'absorber les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Donc à savoir, les ondes électromagnétiques, en ce moment, ils sont partout, diffusées par notre routeur Wi-Fi, par les stations de base des télécommunications. Et il y a des personnes qui sont hypersensibles à ces ondes-là. Grâce à leur contribution dans le design et l'invention, les chercheurs du Smarty Lab ont été primés lors d'événements internationaux. Ils ont été distingués avec des médailles d'or et des prix de l'innovation en Russie, au Canada et en Inde. Une structure qui œuvre pour la valorisation des compétences. Donc c'est un laboratoire qui a comme objectif de développer une propriété intellectuelle made in Morocco, développer une technologie au service de l'industrie marocaine. Et c'est un laboratoire qui développe des technologies en se basant sur les compétences des Marocains, que ce soit des professeurs, des ingénieurs et aussi bien des étudiants. Ce laboratoire compte à son actif une dizaine de brevets d'invention, ce qui en fait une référence dans la recherche en nouvelles technologies. Il dispose aussi de plusieurs partenariats avec des institutions nationales et internationales. C'est une rencontre choc qui oppose ce soir le FUS de Rabat au club sportif sfaxien pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Les fusistes qui ont réussi à atteindre la phase des demi-finales l'année dernière aspirent à faire mieux lors de cette édition. Ils sont dans l'obligation d'assurer une large victoire face au club tunisien puisque le match retour se jouera à Sfax. Le FUS s'est qualifié in extremis à cette phase après avoir tiré profit de la défaite du club Kampala City face au club africain de Tunisie pour assurer son ticket qualificatif pour les quarts de finale. Une rencontre à suivre ce soir
à 20h30. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'actualité est de retour à 21h avec Nadia El Moudin. Bon week-end à tous.